groove a little something like this. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud d'abord parce qu'il fait très très beau, parce que les gens sont chauds et en plus on a eu la bonne idée de rajouter des flammes qui montent à 3 mètres et qui dégagent une température de 180 degrés. Donc quand tu as 4 fois 180 degrés autour de toi, j'étais bien, j'adorais jouer dans un sauna. Non mais franchement c'était une très très bonne ambiance, les gens très participatifs, un bon état d'esprit festif comme j'aime. Ouais, comme d'habitude. Une bonne invasion. C'est toi qui as créé l'Inox Park, oui, en 2009. Exactement, en 2009 j'ai eu l'initiative, ça, et la première édition on l'a faite en 2010, mais effectivement le temps de le monter en 2009, c'était la première fois que je suis allé voir dans la mairie de Château, et j'ai imaginé de faire une fête entre amis sur l'île des impressionnistes, ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est bien parce que tu habites à Château. Voilà, j'étais catovien donc, ouais. Pendant des années, ouais, on dit catovien, ouais. Donc j'étais catovien pendant des années et donc du coup je m'étais proposé auprès de la mairie d'organiser une petite fête électronique, enfin ce que j'aime faire, sur l'île des impressionnistes, parce que le cadre de l'île des impressionnistes c'est magnifique ici, tu as la Seine des deux côtés puisque c'est une île forcément et que tout le cadre est super beau et donc je venais faire un peu de sport, un peu de jogging ici, je me suis dit tiens ça serait quand même pas mal, parce que si tu veux, pour faire courte, comme j'ai la chance de pas mal voyager, de faire des festivals un peu à travers le monde, quand je revenais d'Australie et que j'avais fait des festivals de journée comme ça, je me suis dit, mais ça serait bien qu'on en fasse ça en France. Et donc, j'ai pourquoi ne pas essayer de l'organiser. Ouais. C'est toujours un plaisir de revenir chaque année. C'est un plaisir de revenir chaque année. Et c'est vraiment un plaisir. Je me sens chez moi parce que voilà, c'est vraiment chez moi ici. Alors là, c'est presque la fin de l'été, même si... Tu rigoles, t'as vu la température qu'il fait. Mais bon, cet été, t'as tourné un peu partout, oui. Dans le sud de la France, la Corse, l'Espagne. Ouais, c'est ça, un peu d'Europe. On a fait plus d'Europe que des États-Unis cette année. C'est bien passé. Ouais, très bien. Bah, les gens étaient très... Ouais, et puis très enthousiastes. Et puis, même musicalement parlant, j'étais content parce que depuis la sortie de mon album 96-24, je joue un peu plus de techno, un peu plus les productions de ce que j'aime jouer depuis des années. Et c'est des sons peut-être un peu plus durs, mais les gens accrochent vraiment bien. Donc franchement, je me suis vraiment éclaté cet été. Super. Alors justement, tu parlais de ton album 96-24. Tu as sorti en juin dernier un EP des 7 remixes, je crois, oui. Du titre de Witches. Exactement. C'est un peu un affront à l'EDM, je crois. Exactement, ben, ça va avec exactement ce que je viens de te dire. Ouais. J'ai voulu écrire une histoire qui disait que il y en a marre de la musique de merde. Je vais dire les mots cash si tu veux. Et j'étais un peu déçu de voir que il y avait une espèce de, comment dire, que la musique s'appauvrissait globalement. Et donc du coup, j'ai voulu faire une symbolique au mois de juin quand j'ai fait ce titre. Enfin, j'avais fait déjà l'année dernière, mais c'est un titre qui est sorti au mois de juin. Et l'idée, c'était de dire, oui, l'IDM est un peu comme une sorcière. On va la brûler, on va faire une belle fête. On va donc brûler un peu la musique IDM. On va donc arrêter d'être obligé de jouer de la musique un peu super formatée. Ouais. Voilà. Bon, c'était un discours un peu démago, mais ça me tenait vraiment à cœur aussi d'afficher, comment te dire, de dire que ça fait 25 ans que je suis dans le métier aussi parce que j'ai toujours suivi mes goûts musicaux sans me plier au goût du public et quelquefois j'étais à contre-courant, tu vois. Mais voilà. Tout à l'heure sur scène, tu nous as présenté ton dernier clip, Laboratoire. Ouais, le Laboratoire, réalisé par... Bah oui, c'est un clip réalisé par Pauline Garot, ma sœur. Et on a tourné ça dans un lieu incroyable qui est un centre de recherche où ils testent des pièces mécaniques d'aviation, principalement pour résister à des séismes, à toutes sortes de choses. Donc on m'a enfermé. Le début du clip, on voit que je sors d'un four. Il faut savoir que c'est un four à pression... radioactif, donc si tu veux j'étais très content de rentrer là-dedans globalement, c'était horrible. En plus je suis un peu claustro, je me suis retrouvé dans un cercueil fermé et les mecs me disaient ça va Joachim, ça va, je disais ouais, il dit surtout tu touches à rien hein, parce qu'il y a des diodes partout, il faudrait pas mettre ce truc en marche. Il dit attendez, c'est quoi cette machine? Il dit c'est rien, c'est un truc, ça passe de moins 20 degrés à plus 140 degrés en une minute. Je dis parfait.
La cuisson est bonne. Non mais voilà, donc le laboratoire c'est un titre techno qui représente bien l'album 96-24 et je suis très content de présenter, d'avoir présenté ce clip aujourd'hui à Inox Park puisque d'abord c'est un clip très bien réalisé et surtout avec une vraie histoire. Voilà. La suite du projet, ben écoute, demain matin, je pars pour Los Angeles puisque la rentrée scolaire est la semaine prochaine et que j'ai quatre enfants, donc je vais prendre le t-shirt de super papa. Non, mais voilà. Et dans les projets artistiques, il y a l'album de Vitalik avec lequel j'ai eu la chance de collaborer et qui sort en janvier prochain. Et d'ici là, j'ai quelques projets de nouveaux titres qui sortent pour le laboratoire là que je viens de t'annoncer et puis plein d'autres projets. Je travaille un peu même beaucoup en ce moment avec Jean-Michel Jarre pour la finalisation de son concert qui va démarrer la fin octobre avec une tournée à peu près d'un an. Donc là c'est un peu de travail sur de la musique avec des gens différents, que ce soit Vitalik, Jean-Michel Jarre, Bob Sinclair aussi avec qui j'ai la chance de collaborer. Tu vois, on fait de la musique, voilà, moi c'est ce que j'aime faire de la musique. Tout ce que tu veux. Carrière énorme, t'as fait tellement de choses. De quoi tu rêves? Blablabla. Ce que je rêve, franchement. Alors, d'abord, c'est une très bonne question parce que j'ai eu vraiment la chance, à travers 25 ans de carrière, de dépasser tous les rêves que j'avais quand j'étais enfant. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans et que je voulais absolument être DJ. Je voulais être DJ parce que c'est ce que j'aimais le plus au monde, partager la musique avec les autres. Jamais je n'aurais imaginé que ça puisse me faire voyager et faire le tour du monde. Voyager, aller dans des pays incroyables, faire danser des Japonais le lendemain, des gens à Bali et le lendemain d'après à Dubaï, de voyager dans des avions privés, des trucs mais incroyables, des aventures incroyables. Donc ça a vraiment dépassé tout ce que j'avais imaginé, tu vois. Moi, ce que j'imaginais, c'est de pouvoir, si j'ai de la chance, en vivre, tu vois. Mais voilà. Donc j'ai encore des rêves. Les rêves, c'est de pouvoir avoir assez de temps pour transmettre toute ma passion et mon énergie à la nouvelle génération, tu vois, mon savoir, ouais. Bah, mon savoir serait prétentieux de dire ça, mais non, mais c'est ça. Je passe pas mal de temps à faire des actions pédagogiques pour montrer à la nouvelle génération qu'il y a plein de choses à faire pour avoir une super vie, parce que quand tu fais une vie où tu ne fais que des choses que tu aimes, c'est la vie rêvée. Donc, ça serait un peu un aboutissement. C'est ce qui me fait le plus plaisir quand tout à l'heure je suis sorti de scène et puis qu'il y a quelqu'un qui m'a dit je peux prendre une photo avec toi. J'ai oui, il dit oh, tu sais, moi je suis, il m'a dit je suis DJ aussi et j'ai commencé grâce à toi, j'ai regardé tes podcasts et tout ça. Et maintenant je te remercie parce que j'ai une petite résidence, je joue dans un club à Orléans, je crois. Et il dit voilà, je gagne juste ma vie, mais merci de m'avoir donné l'énergie pour aller au bout de ma passion. Donc voilà un peu ce dont je rêve, peut-être avoir encore le temps de transmettre ça. Bon, super. Voilà. C'est la fin de cette. Eh bien, à très bientôt. Et puis, j'ai envie de te dire rendez-vous l'année prochaine. Salut. Ciao.